Wesh mon négro, ça va? Alors, en fait j'ai fait une petite nuit blanche et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien foutu de la nuit. Et donc je pouvais pas m'endormir comme ça à 5h du matin sans avoir rien foutu, tu vois. Du coup je me suis dit, je vais aller à 42, je vais aller bosser. Parce que je te cache pas que chez moi c'est pas facile de travailler. Je manque de motivation, je manque de pêche. Puis je sais pas, il y a des trucs qui me détournent mon attention tout le temps et des gens qui me parlent et tout. Je sais pas, c'est horrible en fait. C'est horrible. C'est juste horrible, les gars. Allez, soit tout cas. Donc là, il est 5h30 du matin, mesdames et messieurs. Et donc, on se rend à l'école. On peut appeler ça un espace de travail plutôt qu'une école. Hein. On se rend donc à un espace de travail pour travailler. Bien sûr, on va commencer par une petite distraction. Hein. Parce que ce serait con de commencer tout de suite par travailler. On va aller prendre un café. Allez, un petit café. C'est marrant ici quand même. C'est mignon. C'est mignon. Eh ben dis donc les gars, j'ai jamais bu un café aussi rapidement. Je vous cache pas que là, il était tiède en fait et j'en ai fait qu'une bouchée le truc. Hop! C'est bien, on n'a pas perdu de temps. C'est le point positif. C'est vachement éclairé ici quand même. Bon par contre, je peux pas trop parler ici, je vous cache pas que voilà quoi. En fait, j'ai pas besoin des PC. J'hésite. J'ai ramené mon ordi en fait. Bref, allez, on arrête de perdre du temps. On est là, on se lance. C'est parti. Aujourd'hui, je dois faire les pages statiques. Je vais les faire maintenant, tout de suite. C'est parti. Page statique, acte 1. Let's go, my man. Let's go. Donc, encore une fois, pour ceux qui connaissent pas, 42, c'est une école où tu peux y aller quand tu veux en fait. Voilà, moi je disais que c'était pas trop une école, c'est plus un espace de travail en fait. Puisque voilà, vous avez des locaux comme ça en fait, qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand vous avez besoin de travailler, vous venez et vous travaillez. Tu vois. Après, moi le reproche que j'ai à faire, c'est que la journée il y a trop de gens, moi j'aime pas les gens. Il y a trop de bruit et tout, je sais pas, t'es collé avec tes voisins et tout, j'aime pas trop. Putain, mais ça fait que 30 minutes que je suis là. Wow. Ok, on se reprend les gars, on se reprend. Hier on avait dit aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est tout, ok? Allez. Ça fait 2 heures que je suis là, j'avance pas mal, j'avance bien, c'est cool d'être ici. J'avance plus que j'ai avancé en 2 jours chez moi. Par contre, je commence à être vraiment fatigué. La nuit blanche me rattrape. Ne vous écoutez jamais quand vous voulez faire une nuit blanche. C'est la règle de base que je ne suis jamais, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile, les gars. Les règles sont faites pour être enculées. Pardon pour le petit gros mot. Ah oui, on m'a demandé aussi pourquoi. Pourquoi est-ce que je faisais tout ça? Pourquoi est-ce que je voulais gagner tout cet argent? Qu'est-ce qui me motivait à en faire autant? Ce qui me motive, en vrai, En fait, c'est pas très clair, vous savez, dans ma tête, mais j'ai quelque chose contre cette société, en fait. Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses, mais ça reste assez flou. J'ai l'impression de rester dans ce vague-là, c'est vraiment rien faire, en fait. C'est rien faire du tout, et ça me gêne. Ça me gêne de rien foutre. J'aime pas ça. Du coup, je reste pas dans ce vague-là, et je décide d'aller sur le terrain de la société, quoi. L'argent. J'arrive sur leur terrain, je rafle tous les prix, j'arrive en pole position. Comme ça, après, je peux retourner glander tranquillement à me poser des questions existentielles de merde qui font pas avancer dans la vie. Mais au moins, j'acquiers une certaine légitimité, tu vois, à me poser ce genre de questions. Comme si c'est bon, laissez-moi tranquille, j'ai assez donné, quoi. Parce qu'en fait, je sais très bien comment réussir ma vie. C'est pas un problème, ça, pour moi. Réussir ma vie de la manière dont la société nous a inculqué qu'on pouvait réussir nos vies, quoi. Et c'est pour ça que je vais le faire. Je vais le faire parce que je peux le faire, alors je vais le faire. Juste pour avoir la paix, quoi, après. Je sais pas si c'est bien clair ce que je raconte, mais... Et puis maintenant que je fais des vidéos, c'est plus question de moi aussi, c'est question de quelque chose que je montre. Et ça me fait doublement plaisir de montrer à un public, en fait, que tout ça, c'est des conneries, quoi. Et franchement, c'est à la portée de n'importe quel connard, quoi.
suffit de se bouger le cul un peu, quoi, c'est tout. Excusez-moi, mesdames et messieurs, de vous interrompre dans votre programme, mais c'est juste pour vous signaler que cet homme ici présent, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était qu'il a envie de faire un max de billets, un max de thunes, un max de cash, histoire de se payer tout un tas de choses intéressantes, comme de la cocaïne, comme des putes, et ainsi de suite. Mais ça, voilà, il assume pas trop, il cherche des raisons philosophiques et tout, non mais. Faut qu'on soit bien clair, hein. On est là pour des billets. On est là pour des billets et rien d'autre. Allez, bonne journée et bonne suite de vidéos aussi. Salut. Enfin bref, voilà, ça y est, je commence à parler pour rien. Allez. Mesdames et messieurs, il fait encore nuit. C'est marrant ça. La perroterie n'est jamais finie. Non mais c'est sérieux, le jour il se lève jamais, mon pote. Ça c'est l'hiver, c'est incroyable. Hein. Là il est presque 8h quoi. Il fait nuit comme s'il était 3h du matin. Ouais bah voilà, je vous ai montré un peu mon école et tout, les possibilités, où est-ce que je peux travailler. C'est sympa comme endroit, hein. C'est sympa comme endroit, puis ça change de la maison. Et tu sais, il y a un peu une ambiance de travail et tout, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant et ça aide pas mal pour avancer dans ces projets, quels qu'ils soient. Pas forcément des projets de l'école, mais tout un tas de trucs. J'ai un peu philosophé là, je suis pas sûr d'avoir dit des trucs cohérents, je regarderai au montage si ça a du sens. Bon allez, je prends le bus, direction la maison, la famille. Direction la maison. Allez, des bisous.